Salut tout le monde, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Hearts 2, remasterisé, HD, tout ce que vous voulez. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, on s'est arrêté après avoir appris qu'on allait potentiellement disparaître. Ça, c'est pas cool. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi à la fin de l'épisode, parce que je voulais en parler et j'ai complètement zappé, quand ils appellent Dingo Goofy, ça me stresse un petit peu. Je sais pas si ça vous fait aussi cet effet-là. Ça me le faisait aussi. Alors, je sais, dans Kingdom Hearts 1 aussi, ils le disaient, hein, je pense. Mais c'était il y a trop longtemps, je ne m'en souviens plus. Mais ça me stresse un petit peu, je vous avoue que qu'ils disent Sora d'un Donald Goofy. Enfin, ça sonne mal, je trouve. Bref. Du coup, on va continuer à avancer dans le manoir et on va snober les combats, hein? On va snober les combats. Bon, attends. Attends 2 secondes, je vais voir si je les snob ou pas. Oui, bon, je les snob. Je veux juste voir quand était notre prochain level. Potion plus. Potion tout court. Je plan parce qu'on va en avoir besoin puisque. Un boss se prépare. Oh là là. C'est pas bien, je vous dis ce qui va se passer. Ah. Le dessin de Naminé. Un passage secret, wow, c'est beau, c'est beau, mais ça sent le fake. Ça sent le fake tout ça, hein. De toute façon, on sait qu'on est dans un monde créé de toutes pièces par du coup 10, hein. On nous l'a dit, enfin, un animé a dit son nom il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, au dernier épisode je crois, ou celui d'avant, non c'est le dernier épisode, l'épisode 3. Why do you have the Keyblade? Shut up! Will it work? If we can maintain the simulated town until Namine finishes chaining together Sora's memories. What will happen to Roxas? He holds half of Sora's power within him. In the end, he'll have to give it back. Until then, he'll need another personality to throw off his pursuers. Poor thing. It's the fate of a nobody. Ah!
Il s'est un peu lâché là. Il s'est un peu lâché. Bon, il a des visions un petit peu de ce qui s'est passé réellement. On va faire une petite sauvegarde et hop, pendant tant qu'on y est. Tac tac tac. Donc il a quelques visions sur ce qui s'est réellement passé, enfin qu'est-ce qui se passe réellement. Donc nous sommes dans un monde du coup créé de toutes pièces, mais qui ressemble à celle qu'on avait vue quand même dans. Enfin, c'est un copier-coller. Hein. C'est un copier-coller de la Cité du Crépuscule, en gros, parce que la Cité du Crépuscule existe vraiment. Hein. Je vous le rappelle que dans 358 sur The Days, Sora et Axel et Shion se rejoignaient en haut du clocher, là, comme le faisaient Pen, Solette et Einher et Roxas, du coup. Et du coup, c'est une copie de ce truc, enfin, on l'a compris, et qu'il a endossé une fausse identité, patati patata. Et on est reparti pour un combat! Éliminer les mystérieux ennemis. Bon, en plus, ils ont. Ah oui, non. Oui, bon, ils lui ont pas dit à lui, mais. On sait que c'est des simili, mais du coup, c'est pour ça mystérieux ennemis. Enfin, genre, ils pourraient dire affronter les reflets ou les simili ou les trucs comme ça, quoi. Mais non, ils gardent le suspense jusqu'au bout. Ils partent du principe qu'on est Roxas, du coup, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir du tout. Hop. Attends, je vais me régénérer un petit peu, hein, vous m'en voulez pas. Alors ce combat je suis obligé de le finir. Sinon j'aurais déjà snobé. Tac tac tac. Bon, les ennemis que j'aime pas trop. Oula. Non, il va exploser. J'avais prévenu. J'ai annoncé. Et finis-le celui-là. Sinon ça donne pas d'XP donc c'est pas intéressant. Hop là. Et aussi des munis et des giles. Très important. Des munis et de la vie, pas des giles. Les giles c'est FF. Ou les guilds, comme vous voulez. Simply amazing, Roxas. Axel. You really do remember me this time. I'm so flattered. But you're too late. Et c'est parti, on va pouvoir se battre avec deux Keyblades et vous allez voir comment on va l'enchaîner. Il va rien comprendre. C'est parti, vas-y, on enchaîne direct. C'est plutôt lui qui m'a enchaîné direct. Laisse-moi te taper. Attends, on va sauter parce qu'en l'air, on est plus speed. Oh, c'est tellement stylé d'avoir deux Keyblades. Je pense que ça a bu à beaucoup de gens, hein, le fait de pouvoir en utiliser deux comme ça. Oh non, non, j'ai fait la merde. Vas-y, spam triangle là. Parce que faut enlever le sol de feu là. Éteins-moi ça. Boum. Allez, on le défonce. Allez, boum. Et on l'enchaîne en l'air. Oh là là, c'est tellement cool. Je sais que j'avais aussi galéré sur ce combat hein, pour. Alors, en mode maîtrise. Attendez, on va se soigner là. On va se soigner. Stop, 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 stop. J'ai dit stop! J'ai dit stop! Arrête de me taper! Mais stop! Mais. Oh là 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 là! Il a fait me buter! T'y crois ça? Aïe! Bon, spam triangle. Voilà. Allez hop, on l'enchaîne. Ça, j'ai failli mourir comme une merde! Allez, allez, on le défonce, on le défonce, on le défonce, on le défonce, on le défonce. Et voilà! Ah voilà, c'est plutôt bien passé je trouve. You get on their bad side and they'll destroy you.
No one would miss me. That's not true. I would. Axel. Let's meet again in the next life. Yeah, I'll be waiting. Silly. Just because you have a next life. Bon. Voilà, bon, on le savait déjà hein, qu'Axel aimait beaucoup Roxas et inversement, mais Roxas ne s'en souvenait plus. Non, c'est pas par là. C'est par là. Ouais, c'est par là. Par contre, on va aller juste aller voir ça parce que je crois qu'il y a un petit commentaire de Roxas. Ça a l'air de mener quelque part, mais le pouvoir des ténèbres scelle l'entrée. Donc pour l'instant, on ne peut rien en faire. Je crois qu'on pourra revenir ici pour faire je sais plus quoi. Je sais plus. Je me souviens plus. Donald. Goofy? Alors direct, boum, les coffres. Potion plus, et c'est tout. Donc Donald et Goofy sont ici, par contre Sora n'est pas là apparemment. En même temps Sora il dort dans le gros machin, alors on l'avait vu à la fin de Chain of Memories. Mais il me semblait que Donald et Dingo ils étaient aussi dedans. Je me souviens plus du coup. Je me souviens plus, j'aime bien parce que j'ai fait les let's play pour me... Pour déjà les faire, parce que j'étais obligé de les faire. Enfin, je suis obligé de faire tous les caches, parce que je veux faire tous les caches. Mais en même temps, ça me faisait un petit récap, sauf que ça fait tellement longtemps que je l'ai fait, que je me souviens plus des trucs. C'est n'importe quoi. Bref, avançons. At last, the Keyblade's chosen one. Who are you talking to? Me? Or Sora? To half of Sora, of course. You reside in darkness. What I need is someone who can move about the realm of light and destroy Organization 13. Why? Who are you? I am a servant of the world. And if I'm a servant, then you should consider yourself a tool at best. Was that supposed to be a joke? 'Cause I'm not laughing! My apologies. This is only a data-based projection. I hate you so much. You should share some of that hatred with Sora. He's far too nice for his own good. No! My heart belongs to me! Sora. You're lucky. Look.
looks like my summer vacation is over. Sora! Who's there? Sora! Sora? Wake up! See, we defeated Ansem. Yep. Restored peace to the world. Found Kairi. Oh yeah. And then we went to look for Riku. I think that's right so far. Then what? What does your journal say, Jiminy? Gee, there's only one sentence. Thank Namine. I wonder who that is. Some general that is. What do you say we find out where we are? Bon, c'est bon, ça y est. On reprend le contrôle de Sora dans la Lago et ça c'est très très cool. Par contre, bon, on a perdu le contrôle de Roxas et. Ça peut être triste, je trouve, d'un côté, et en même temps, enfin, c'est. On peut se dire que Roxas il est dans Sora, donc ça va à peu près, mais voilà. Et du coup, ouais, ils se souviennent plus qui est Namine parce qu'ils ont perdu leur souvenir dans le manoir Oblivion. Donc, forcément, voilà. Ah, et on a une nouvelle compétence. Ah, oui, d'accord. Cimer. Et le carnet. Ah, le carnet, attendez, on va faire un petit tour dans le carnet. Personnage. Ah, ok, bah tant pis. On n'a pas encore ce que je voulais vérifier. Bref. Consulte l'état des personnages du groupe dans le menu principal. Sera conservé les compétences et les munis acquis par Roxas. Le carnet de Gemini contient des indices sur ce que tu dois faire, ouais bref. On s'en fout alors, je crois qu'on peut pas retourner dans le manoir, mais par contre, on ne va pas louper ces magnifiques coffres qui se tentent à nous là, qui est là. Hop, potion. Et l'autre qui est là-bas, bon c'est pas encore des objets de ouf, mais ça va pas tarder. On aura les bons systèmes après. Hop, avec la mitrille. Alors, ouais, je dois finir ce que j'ai commencé. Et qu'est-ce que tu as commencé au juste, Sora? Dis-nous tout. Du coup, on est déjà level 4, si je dis pas de bêtises. On est déjà level 4 et Dingo est... un ingrédient ordinaire utilisé pour la fabrication de l'objet. Et Donald et Dingo, ils sont level 5. Alors, je voulais juste voir quelque chose. C'était... Oui. Tac. Sora, t'es bien équipé, par contre, vous. Ah, bah oui, si, j'ai ça du coup. Hop, voilà.
Voilà, tout le monde est heureux. Par contre, je vous préviens, tout le long de l'aventure, il y aura écrit nouveau dans le carnet ici parce que j'ai pas envie de me taper tous les trucs. Là, par exemple, faut que je kick là, faut que je reparte, faut que je re-kick là, etc. Enfin, c'est extrêmement chiant et quand il y aura plein de personnages, ça va être super chiant aussi. Donc, enfin, voilà quoi. On va laisser en nouveau comme ça tout le long du jeu, hein, je vous préviens. on ira quand il y aura des trucs intéressants. Ne retourne pas dans le manoir des fois que tu te rendormes. Et puis, on doit inspecter les lieux, je suis curieux de savoir où on est. Effectivement. Tu dois avoir l'esprit embrumé, après un si long sommeil, Sora. Si tu as un trou de mémoire, tu n'as qu'à consulter les notes de Jiminy. Oui, sauf que techniquement, il n'y a plus un écrit, il y a juste écrit « Thank you, Namine ». Enfin, « Remercier, Namine ». Non, bah du coup, c'est pas écrit « Thank you, Namine », à mon avis. Parce que « Merci » et « Remercier », c'est pas pareil. Enfin, c'est écrit pas pareil, je crois pas, en anglais. J'en sais rien, je suis vraiment une quiche en anglais, donc... You know, I think I've been to this town. What's it called? Guess I must have imagined it. Les souvenirs de Roxas remontent peut-être, je ne sais pas. What do you want? Nothing. Just wondering what was back here. Now you know. This is our spot. What? You're new around here, right? I'm Pence. Hayner, nice to meet you. But we got stuff to do, so catch you later. My name's Olette. Hey, did you finish up the summer homework yet? Independent studies are the worst, huh? Homework. Hey, what are your names? Oh, sorry. We're Sora, Donald, and Goofy. Hey there. Sora, Donald, Goofy, we just met someone who was looking for you. He sure seemed in a hurry. He had a black coat on, so I couldn't see his face. But he had these big round ears. Where'd you see him? At the station. The station, thanks. Well, you'd better get back to that assignment. Later. The kid's trying to find us. Yeah, let's get to the station. Bon, du coup, là, on se retrouve dans la vraie cité du crépuscule. Et voilà, bah, c'est tout. C'est tout, on a combien de temps? Ah bon, on a largement le temps. On a largement le temps. Tac, 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 tac. On sauvegarde. Du coup, on va aller voir vite Mickey pour savoir ce qu'il nous veut. Parce que Mickey, on ne l'a pas vu depuis longtemps du coup, parce que... Bah si, on l'avait revu avec Riku, dans la partie Rich End of Memories, la Dark, je sais pas quoi là. Donc on va aller voir tout de suite. Je crois qu'on peut toujours faire du skate, mais il y en a pas, d'accord. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez les vêtements de Sora, ils sont un petit peu courts, hein. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Rue de la gare. Bref, allons à la gare. Je peux avoir un skate? Non, je peux pas. Oh, mais je voulais faire du skate, moi. Bon, du coup, on est toujours aussi lent pour les attaques aussi. Enfin, ça a pas changé pour le moment. En fait, on va avoir pas mal de compétences qui vont nous permettre d'enchaîner les combos. Pardon. Il y avait pas ça dans le 1. Et là, dans le 2, on va pouvoir du coup taper, mais à une vitesse. Enfin, plus tard dans le jeu, du coup, quand on aura les combos. Mais vous allez voir, ça va être assez stylé.
Ok, c'est parti. On va se fighter. Éliminer les mystérieuses ennemies, oui. On a compris ce que c'était, hein. Alors, est-ce qu'on tape plus fort? Non, ça change pas, hein. Vraiment, on a gardé les mêmes stats que Roxas. Et on est toujours aussi lent. Je pense que dans le 1, ça gêne pas trop. Enfin, moi, ça me gêne pas trop dans le 1. Enfin, Oh, nice. Je l'avais senti parce que j'avais joué au 2 quand je l'avais fait en let's play. Enfin, j'avais déjà joué au 2, du coup, la vitesse, ça m'avait un peu perturbé, mais à force, enfin, ça passe. Mais dans le 2, je suis vraiment habitué à la vitesse quand pendant les combats, genre, on enchaîne les combos. Et là, faire des tout petits combos comme ça, tout nul, là, ça fait tout drôle. Mais c'est les combos de base, quoi. Et ouais, ça fait vraiment tout drôle. Hein. Boum, donne à niveau 6. Allez, toi, tu dégages. Oh là là, il y en a encore 4. Ça rigole pas. Bon, en plus, on est à 3, donc ça va un peu plus vite, quand même. J'ai l'impression qu'on fait quand même plus mal, hein. Ouais, non, c'est le fait qu'on soit à 3, je pense. Viens ici, toi. Viens ici. Je te défonce. On a de la magie? Non, on n'a pas de magie encore. C'est que réservé à Donald. Bon d'accord, c'est carrément le cul à tuer. Hop, j'ai pris 2 levels en un combat, c'est n'importe quoi. Bon, j'aurais pas snobé les combats avec Roxas, je pense que j'aurais pas pris 2 levels. Hein. Mais bon, je vous ai dit, là on a passé le prologue. La Kingdom Hearts 2 s'est affiché, les combats, vous allez voir que ça va être un peu plus... Oh, genre... Ça va vous donner plus d'XP et tout, enfin ça va mieux se dérouler. Ça va être plus important quoi. You gotta board the train and leave town. The train knows the way. Here. Your Majesty! The king? Was that really him? It could have been. Yep, I know it was! Now we know he's okay! The king was locked in the realm of darkness, right? Uh-huh. But we just saw him. Yep. And if the king is here, that means Riku's here. He's gotta be. Well, I'm gonna go look for Riku. Then he and I can go back to the islands together. Kairi's there waiting for us. What are you two gonna do? Of course, Sora. Do you have to ask? Hey, what's so funny? Your face. What do you say, guys? Let's stick together for one more journey. To where again? We have to board the train. Oh, yeah. Come on. Bon, Mickey s'est fait vite vu, hein. Ah, d'ailleurs, c'est le sac que... Ah, attendez. Qui avait le sac au début? C'était Ansem. Et Ansem aurait donné le sac à Mickey. C'est louche, tout ça. Bref. Et la boule de cristal aussi, du coup. Une jolie boule de cristal. Et du coup, le roi, enfin, le roi Mickey, enfin, Mickey, comme vous voulez, s'est fait un peu discret, hein. Il est arrivé, il a fait « Tenez, prenez ça, hop, je me casse ». Ah salut. Et le rapport d'Ansem numéro 2. D'ailleurs, je devrais les lire, les rapports d'Ansem en vrai. Mais bon, j'ai la flemme. Wait up. Hey, Sora. What? Nothing, but... We came to see you off. It just seemed like something we ought to do. Oh, really? Thanks. You should hurry and get your tickets. Right.
one is that? They're the same. Yeah. Three tickets, please. I can't help feeling like we won't see this town again. Why not? You're thinking too much. Yeah, you're right. Bon, du coup, on se retrouve à la guerre. On n'y était pas allé d'ailleurs avec Roxas, on n'avait pas pu rentrer vraiment dedans. Enfin, on n'a pas essayé surtout. Hein. Je sais plus si on peut, mais là on va être vachement plus libre et ça c'est cool. Parce qu'avec Roxas, on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Enfin bref, c'était assez un peu chiant parce qu'on pouvait pas trop se balader. Enfin, il y avait des moments où on était bloqué et tout. Là on va pouvoir fouiller un petit peu les zones et ça assez cool. Bon, j'ai pas fouillé toutes les cités des crépuscules parce que de toute façon, normalement, si je dis pas de bêtises, on reviendra, je crois. Normalement. Donc, y a pas de problème, mais voilà. Bref. Hop. Et on est reparti. Je crois qu'il faut parler à Pence. J'ai eu l'étrange sentiment que je devais te dire au revoir. Comme si j'ai pas eu le temps de lire. Je pensais, je sais pas pourquoi, j'ai bugué. Ouais. Il va falloir parler à Donald du coup. Nous partons pour un long voyage. Je tâche de rien oublier. Ok. De toute façon, j'ai pas grand chose à prendre, hein, j'ai envie de dire. Ok. Let's go. Bye. Hey, Sora? You sure we haven't met before? Positive. Why do you ask? I don't know. Together. Right. See ya. You know? I'm sad. We'll be back! Yeah! We can visit Hayner and those guys again! Guess that's that. Let's go. Go where? It's not like we have homes to return to. We don't exist, remember? Yes, it's true. We may not have homes. But there is some place I want to go. And someone I want to see. Same here.
So, you think you might let us go? I know you're here to get rid of us, but... Diz wants to get rid of me? Go. You sure about this? I owe you both. For what? Castle Oblivion. You helped us. You don't have to tell me twice. Thank you. There goes our ride. Bon. Un personnage qu'on connaît bien, qu'on voit au loin. Enfin, qu'on connaît bien. On l'a pas encore vu, mais bon, si vous connaissez Mickey, vous le connaissez lui aussi. Enfin, je crois qu'on l'a... Il était pas là dans le 1. Attends, je réfléchis. Non, non, dans le 1, je crois qu'il était pas là, et encore moins dans Return of Memories. Un personnage que beaucoup de gens sont censés connaître. Enfin, moi je connais très bien ce personnage. Mais pas de cache, quoi. What's going on? I sent some of my lackeys inside to see if the master in this here tower's as big and tough as they say. Word is, he's a real powerful sorcerer, which would make him the perfect bodyguard for me. See, it don't matter how tough he is. Once he's a heartless, he'll do as I say. A heartless? That's right. They're those things that come out of the darkness in folks' hearts. Why, with all those heartless at her side, my dear friend Maleficent is gonna conquer everything. And since I got me a debt to pay, I'm going round to a bunch of different worlds and building an army of Heartless, special for her. Oh, why am I talking to you pipsqueaks anyway? Go on, Scram, I'm behind schedule as it is. You ought to find something nicer to do. Oh, says who? Huh? Oh, it's you! Pete? What are you two Nimrods doing here? What are you doing here? You know him? We sure do. Pete's been causing trouble for ages. His Majesty banished him to another dimension a long time ago. I wonder how he escaped. You want to know how, eh? Well, Maleficent busted me out, that's how. And now your world, no, all the worlds, are gonna belong to yours truly. Cause Maleficent's gonna help me conquer them. Maleficent, huh? Oh, what are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... She's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. What do you mean? You! So you're the ones that did it. Well, we might have had something to do with it. Heartless Squad, round up! Bon bah on va les éclater. Ah, j'allais dire avec Pat, mais apparemment il se bat pas, donc
Voilà, pour les stalkers on connaît, hein. En plus c'est les ombres, donc ça va aller très très vite. En tout cas, les ombres c'est quand même les plus chiantes, hein, parce qu'à chaque fois elles vont sous terre là, et, enfin voilà, elles se mettent comme ça et on peut plus les taper, c'est assez chiant, mais bon. Elles font pas beaucoup de dégâts et puis ça va vite à tuer quoi. Sauf s'ils vont sous terre du coup. You just wait. Nobody, and I do mean nobody, messes with the Mighty Pete. So, Mighty Pete, who lives in this tower anyway? Oh, you don't know, eh? Well, it's old Yen Sid. Course, he's probably a heartless by now. Master Yen Sid lives here? Yen Sid is the king's teacher. Wow, sounds powerful. Comment ils l'ont ignoré? Oh, la violence! Je suis choqué. Ne me souvenais pas de ça. Oh là 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 là. Comment ils le prennent pas au sérieux? C'est n'importe quoi. L'éclat de Mithril. Éther et la carte. Même semblait qu'on avait la carte au début. Bon. Bref, sauvegardons, on est à combien de temps? 40 minutes. Ouais, on va continuer encore un peu. Hein. Moi, de toute façon, je voulais continuer. Même si on était à 50 minutes, j'aurais continué. Oui, parce que je pars... je me base à peu près sur entre 40 et 50 minutes. Mais bon, je vous ai dit, si ça peut durer plus longtemps, ça peut durer moins longtemps. Ça dépend des jours. Et là... J'ai envie que ça dure plus longtemps, mais comme on est à 40 minutes, j'ai envie de continuer là. Enfin, ça dépend de où on en est, quoi. Mais comme là, j'ai envie de continuer et qu'on est à 40 minutes, ça, c'est parfait. Mais bon, je vous dis, on sera à 56 minutes. Je pense qu'on aurait quand même continué parce qu'on arrive dans une partie qui est relativement importante et que j'ai envie de voir. Donc, j'aurais quand même continué. Bon, par contre, j'aime pas trop l'ambiance de cette zone. Je vais pas vous le cacher. Je n'aime pas beaucoup. L'ambiance et la musique qu'il y a avec. Mais bon. C'est un endroit important pour le jeu. Même dans les futurs caches, je crois qu'on... Bah, par exemple, dans 2.8, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur PS4, là. Bah, on va y revenir beaucoup. Hein. Ça va être un peu la base, tu vois. Genre la base secrète, qui ne sera pas vraiment secrète, mais ce sera un peu la base, quoi. Donc... Voilà, mais bon, c'est un endroit que... Enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste l'ambiance qu'il y a, je sais pas, j'accroche pas. Ça me fait penser à un bouquin, enfin une BD que j'avais quand j'étais... C'était pas une BD, c'était... Enfin, c'était comme une BD, mais c'était pas... Si, en fait, c'était comme une BD au final. Je crois. Oui, je crois, enfin, j'avais un tas de bouquins, c'était sur Mickey et tout. Et il y en avait un, c'était là-dessus, et c'était le fameux fois où Mickey a mis le chapeau de Yen Sid et il a perdu le contrôle. Et je sais pas pourquoi ce livre, à chaque fois que je lisais, enfin à chaque fois que je regardais, parce que je comprends, soit c'est ma mère qui le lisait, soit je regardais juste ces images parce que je ne savais pas lire à l'époque. Mais quand je voyais ça, et bah, je sais pas, ça m'a traumatisé en fait. Bon, ça m'a pas traumatisé, j'abuse, mais je sais pas, ça... J'aimais pas en fait. Genre, j'aimais pas et... Bon, c'est pour ça que je relisais aussi, mais... j'aimais pas spécialement et c'était... Ah, un soldat. Un soldat sans cure. On va le taper en premier. Hop. Et du coup, j'ai été traumatisé par des balais. Enfin, c'était pas des balais, c'était des... je crois que c'était... Ah si, c'était des balais. Si, c'était des balais. Je voulais des conneries. C'était des balais et j'ai été traumatisé par les balais et les sauts. bah oui, parce qu'il inondait. Bah, d'ailleurs, il y a aussi un film où il se passe un peu le même délire là. Je me souviens plus du nom. C'est Apprenti Sorcier, si j'ai pas de bêtises. Cyclone ? Non, j'ai raté. Tant pis. Enfin bref, et du coup, voilà. Voilà pour la petite histoire. Donc, c'est une zone que j'aime pas trop. Voilà. Mais c'est tout. Mais c'est pas grave en soi. Hein. Well, it's a good thing we're on the job then. So, the worlds aren't at peace after all?
Mais bon, je sais pas trop ne pas kiffer cette zone, j'aime beaucoup ce moment. Dès qu'on sera arrivé en haut en fait. Parce que vous allez voir, il va se passer des choses. Ça va être trop bien. Ça va être méga bien. Ah, mais on est encore ralenti par les 100 cœurs. Ouais, du coup aussi, les 100 cœurs sont encore parmi nous, mais malgré qu'on ait... Merde. Malgré qu'on avait... Cyclone. Boum. Malgré qu'on ait tué Maléfique, fermé Kingdom Hearts, etc. Enfin, il était déjà fermé, mais qu'on ait tué Ansem et tout le bazar. Enfin, Ansem est revécu, du coup. Comme on a pu le voir. Enfin, c'est un peu bizarre. Je veux pas trop vous dire, parce que je me souviens plus jusqu'à où c'était dans Kingdom Hearts Rich Chain of Memories, parce que on en apprend un peu plus là-dessus, donc... Enfin, voilà. Je sais pas jusqu'où je peux vous dire les choses. Hey there. Sora, show some respect. So, you are Sora. Now then, have you seen the king yet? Yes, we did, Master. But we didn't get a chance to talk to him. Yes, the king has been quite busy of late. Therefore, it would seem that the task of instructing you three falls upon my shoulders. You have a perilous journey ahead of you. You must be well prepared. You mean, we have to go on another quest? I was looking forward to finding my friend Riku, so we could go back to the islands. Yes, I know. However, everything in your journey, Sora, is connected. Whether you will find your way home to the islands, whether you will return alone or with your friend, and whether or not the islands will still be there. And the key that connects them all is you, Sora. I'm the key? Chosen wielder of the Keyblade, you are the key that will open the door to light. This book contains valuable knowledge you will need for your journey. Study it carefully. Once you have finished, we will speak of the enemies you will surely confront. Alors, je suis en train de penser d'ailleurs, parce que je vous ai dit... Rich Chain of Memories, je sais plus où on s'est arrêté et tout. Mais faut que je vous dise un truc, sachez que tous les Kingdom Hearts sont importants. Genre, que ça soit 358 sur The Days, Recoded, Birth by Sleep, etc. Tous ces trucs, on a l'impression que c'est des hors-séries, que c'est pas important, sont importants. Il faut absolument les regarder, ne faites pas l'erreur de faire Kingdom Hearts 1, 2, 3. Enfin, quand le 3 s'est sorti, naturellement, le 3 n'est pas encore sorti. D'ailleurs, je crois qu'il est prévu en 2018, si je dis pas de bêtises. Mais bon, il était prévu en 2015 au début, hein, et il est toujours pas là. Et normalement, il est prévu en 2018, c'est ce qui a été annoncé à l'E3, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, là, il n'y a pas de sujet, ne faites pas la bêtise. C'est pas vraiment une bêtise, vous faites ce que vous voulez après, mais si vous voulez vraiment tout savoir, tout comprendre, etc. sur ce qui se passe dans cet univers, regardez bien tous les let's play, soit vous attendez que mes let's play sortent et vous regardez à partir de mes let's play, soit vous allez sur une autre chaîne, mais ne faites pas l'erreur de ne pas tout regarder, de juste regarder 1, 2 et du coup le 3 qui sortira, parce que vous allez... Bon, je pense qu'ils vont faire en sorte qu'on puisse comprendre quand même, mais il y a beaucoup de choses qui seront pas dites, je pense, dans le 3. Enfin, j'en sais rien, après, ça se trouve, ça sera dit, mais... Il y a beaucoup de choses à savoir, même en ayant joué aux 9 Kingdom Hearts, parce qu'en tout il y en a 9, enfin non, il y en a 10, mais les 9 que j'ai vu, donc
en trilogie du coup, que j'ai en trilogie. Bon, je les avais aussi, j'avais aussi le 1 et le 2 sur PS2, mais ça, c'est, on s'en fout. Les 9 sont importants. Après, il y a celui qui est sur mobile. Enfin, il y a plein de Kingdom Hearts sur mobile, je crois, mais celui qui est réellement important. En gros, enfin, après, c'est des petits trucs, genre par exemple des photos, des machins, mais il y a une appli mobile, c'est un jeu. Et je crois que c'est payant, c'est aussi pour ça que je veux pas trop y jouer, et c'est en anglais. Mon niveau d'anglais, voilà, il n'y a pas de sous-titrerie en français, du coup, j'ai pas fait ça. J'ai plus regardé des vidéos de youtubeurs français qui faisaient le jeu pour comprendre, parce que c'est important aussi de comprendre ce qui se passe. C'est... Je dirais pas que c'est obligatoire, mais moi ça m'intéressait, je voulais savoir, parce que Key Back Cover, qui sera fait aussi, hein, dans un moment, mais il sera fait, ça permet de comprendre mieux l'histoire, je trouve, personnellement. Enfin bref. Du coup, on est arrivé ici, Yensin nous dit qu'on a une nouvelle aventure à faire et que ça sera lié avec les... Ça sera lié avec... Avec la retrouvaille de Riku, la retrouvaille de Lille, etc. Patati patata. Ah, la carte. On va récupérer ça. Plouk. Donc du coup, on va lire tout ça. Bon, j'espère que je ne vais pas bégayer. Le commencement. Alors, le commencement. Tout périple est fait de rencontres qui elle-même appelle les adieux. Lorsqu'un adieu donne lieu à un nouveau départ, les mondes ouvrent leur cœur. Élus de la lumière ou prisonniers des ténèbres, les amis restent liés, même si leurs chemins sont différents. Si tu doutes de la voie que tu as prise ou si tu as perdu la main que tu étreignais, renoue avec ton cœur d'antan. J'ai pas compris. En fait, je suis tellement concentré à pas essayer de bégayer que je comprends pas trop ce que je dis, mais bon, on s'en fout. C'est en lui que se trouvent les réponses. Ah, c'est des petits trucs. Ah, ça va. Ça devrait se faire. L'intervalle. Intervalle, un long rêve, de triste adieu en suspens dans l'entremonde. Où finit la réalité, je suis désolé. Où finit la réalité, où commence l'illusion, la voie que choisira l'élu le conduira à sa mémoire. Si tu es ballotté par le cours du temps, remémore-toi ton parcours. Toutes les incertitudes se disperseront. Je suis désolé, je n'arrive pas à lire aujourd'hui. L'avenir, le passé, le présent et surtout le futur. L'avenir, pardon. Cette bataille née du chaos prendra-t-elle fin un jour? Elle rêvait différent. Sens. Attendez. Elle rêvait différent sens. Je sais pas comment le dire. Elle rêvait différents sens pour différentes personnes. Bref. Si vous avez compris, tant mieux. Les vérités seraient-elles cachées? Les arguments sont précaires, mais les souvenirs, eux, sont fiables. Livre-toi sans crainte à leur flot apaisant. Alors ton sommeil passager s'achèvera, et ce sera un nouveau départ. Moi, la lecture à voix haute, hein. On me connaît. J'ai beau avoir fait 15 000 jeux où il faut lire, le 1 par exemple, Kingdom Hearts 5, il y a beaucoup de lectures. J'ai beau avoir fait 15 000 jeux où il fallait lire à voix haute, par exemple aussi FF14. Bon, je lisais à voix haute du coup, parce que j'avais fait un let's play entre guillemets dessus, mais que j'ai pas publié parce que c'était un peu nul. Je vais pas vous le cacher. Enfin, pas le jeu, hein, juste les vidéos que je faisais, c'était. Pour ma part, je les ai pas trouvées intéressantes, je les ai trouvées juste longues, chiantes, pas. Vraiment, je vous dis, pas amusantes. Enfin, pour moi, FF14, c'est un jeu à jouer, c'est pas un jeu à regarder. Franchement, même moi, mes propres vidéos me saoulaient pour vous dire. C'est aussi pour ça que je refais Kingdom Hearts 2, parce que Kingdom Hearts 2 aurait dû être publié bien plus tôt. Mais ça aurait pas été le même commentary, parce que c'était il y a plus. Mon commentary m'allait pas du tout. J'ai trouvé que mes vidéos, toutes les vidéos de. Enfin, pas toutes, enfin, j'ai pas vu toutes les vidéos, mais genre. En tout cas, toute la partie avec Roxas, je trouvais ça agaçant, enfin, je trouvais ma voix agaçante, et c'est pour ça que j'ai décidé de recommencer, enfin, je préfère recommencer, en plus, c'est un jeu que j'aime bien, donc j'en profite, bref, continuons. Ce qui est dans ce livre est bon à savoir, pense à le lire. Et oui, donc je disais aussi que j'ai beau avoir lu 15 000 jeux où il fallait lire à voix haute et tout, même FF10, j'ai pas trop bafouillé, donc pourquoi je bafouille sur celui-là, je sais pas, c'est peut-être...
je me charge d'excuses, hein, mais c'est peut-être l'écriture qui est pas la même, du coup ça me perturbe, mais non, c'est pas ça, c'est juste que, je sais pas, il y a des fois où j'arrive, des fois j'arrive pas. Par contre, quand je lis dans ma tête, je lis à une vitesse, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vous assure que c'est vraiment, j'ai un problème avec la lecture à voix haute. Donc non, c'est bon. But wait a sec, how come the Heartless are still running around? Your past endeavors did prevent an immense effusion of Heartless from the Great Darkness. Make no mistake about that. However, the Heartless are darkness made real, and darkness yet lingers in every heart. The Heartless are fewer, but while darkness exists in a single heart, it will be difficult to eliminate them. Gorge, that must mean if everybody's heart was full of light, them Heartless would go away. Now, it is time to speak of the enemies that you will encounter. If one such as you, Donald, yields to the darkness in their heart, they too will become a Heartless. But you know this. The Heartless are always lurking and ever seeking to capture new hearts. Never let your guard down. Now then. At times, if someone with a strong heart and will, be they evil or good, becomes a Heartless, the empty shell they leave behind begins to act with a will of its own. An empty vessel whose heart has been stolen away, a spirit that goes on even as its body fades from existence, for you see, no bodies do not truly exist at all. No bodies may seem to have feelings, but this is a ruse. They only pretend to have hearts. You must not be deceived. No bodies. They don't exist. Now then, the being you see before you is known as a Dusk. They are the most common form of nobody. But there are others, some larger, some with frightening and unique powers. Be vigilant. On your journey, you will meet an alarming number of Dusks. They will all attempt to do you harm. Still, they are nothing but empty shells, destined to return to darkness. But the beings you see before you now are different. These powerful nobodies have formed a group called Organization 13. It commands the lesser nobodies. Organization 13. While Heartless act on instinct, nobodies function in a higher manner. They can think and plan, and it seems they are working towards a goal. What that goal is, we do not know. The king sensed the danger and journeyed forth to fight it. He found the Dark Realm's Keyblade and with it closed the door. Now he's traveling from world to world, fighting the Heartless as he seeks the answer to the riddle of the Nobodies and Organization 13. Then I guess we better go find the king first. But where could he be? Well, we won't know till we look. Yeah, and the king must know where Riku is, because the two of them were together in the Realm of Darkness when we closed the door. You know, after defeating Ansem. So, before you go, you will need more suitable traveling clothes.
Those look a bit too small for you. Through there, you'll find three good fairies. If you ask, they'll create for you appropriate garments. Gore, Sora, you sure are growing fast. I guess. Et je vais faire le salaud, mais on fera ça au prochain épisode. J'avais trop envie de le faire, mais je me dis, je peux m'arrêter là. Parce que bon, moi je sais à quoi il va ressembler. Hein. Mais ouais, on va faire ça. Je vais m'arrêter là. Je vais faire le salaud. Je vais m'arrêter là pour cet épisode là. Du coup, prochain épisode, on changera de tenue. On aura une tenue plus adéquate qui va être, je vous préviens, très badass. Mais bon, on verra ça au prochain épisode. Du coup, on en a appris un peu plus sur les 6000 et les 100 cœurs. Mais bon, ça, normalement, on le savait à peu près. Enfin, on le savait déjà plus ou moins. Enfin, je crois. Parce qu'il me semble qu'ils en parlent dans 358 sur The Days. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que je vous avais dit. Donc, les 6000 sont des êtres forts et combatifs. Bon, j'avais pas dit combatifs, mais j'allais dire des êtres forts. Et du coup, voilà. Et du coup, bon, l'organisation 13, ce sont des 6000 forts. Très, très forts. Qui s'occupent des 6000 moins forts. Et la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai fait... Ah, mais si les 6000 ils n'existent pas vraiment, bah, je suis pas obligé de les taper, du coup, puisqu'ils n'existent pas. Et bah si, j'étais obligé, du coup, bah je comprenais pas, mais voilà. Bref. Bon, c'était là pour cet épisode, du coup, prochain épisode, on s'occupe de changer les vêtements de Sora. Et du coup, de commencer notre périlleux voyage. Bon, j'espère que vous êtes contents qu'on ait... La vue de la mer, nuage qui s'étend au dehors, semble irréel. J'espère que vous êtes contents qu'on ait retrouvé Sora, par Roxas. Roxas, on le voit plus. J'espère que vous êtes contents qu'on l'ait retrouvé. On va pouvoir enfin aller chercher Riku pour retourner sur notre île, parce que Kairi est déjà sur l'île, hein, je le vous rappelle. Et voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.